Pour éprouver madame quant à la garde d'un secret, monsieur a feint d'enfanter un louis d'or par le biais de son séant. Ayant peu vécu, madame le crut. N'en faites point état, insista bien monsieur, ça susciterait l'envie. Et l'on viendrait à coup sûr m'éventrer pour me vider les bourses. Mais la voisine et le vent dont c'était le sort le surent. Et le louis d'or en devint lingot, six caves en hausse, dégueulis de jackpot, rente viagère et que sais-je encore. L'on vit alors les gabelous du coin s'emparer de l'affaire et soumettre monsieur à une fouille en règle. Ayant bien joui de leur avoir montré son cul, on a les joies qu'on peut quand on a trop vécu. Il leur lança, ravi de les sentir bredouilles, « Je loue fort qu'on m'ait désigné à votre zèle, mais si j'ai ce matin mis bas tout un louis d'or, c'est au soin de madame qu'on doit le prix qu'il a atteint ce soir. » Et bien que l'objet fût absent de la scène, il parut fort séant d'en taxer le renom. Et c'est à madame, et à elle seule, que revint l'honneur de s'en acquitter aux dépens de ses biens, ou de sa personne. Et pour une fois, la voisine n'en sut rien.